Présent, nous allons présenter une petite plante très intéressante. Vous allez en juger tout à l'heure par sa forme, par sa couleur. Il s'agit de Philanthus amarus. Philanthus amarus, il y a d'autres noms hein, qui existent bien sûr. C'est une plante qui ne grandit pas beaucoup. En fait, très fréquemment, on a une hauteur qui dépasse pas les, enfin qui va se situer entre disons 15 à 50 cm, maximum 60 cm quoi. Et je disais qu'il y avait quelque chose de remarquable là-dessus, parce que quand vous voyez, c'est une plante herbacée, elle est dressée, hein, et on va la trouver dans toute la zone intertropicale en fait, hein, de l'Afrique au moins, et un peu partout j'imagine, même en Amérique. Et alors, tout est vert ça, dans cette plante, tout est vert, comme une herbe, hein, depuis la tige, hein, qui est assez ronde, que l'on voit là, hein, jusqu'aux feuilles, aux branches, et même les fruits, tout est vert. Hein. Alors, cette plante, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, a une hauteur qui ne dépasse pas, en général, 50 cm. C'est celui qu'on a ici. Nous avons quand même, oui, jusqu'à, en gros, on va dire 60 cm celui-là. Donc ça, c'est un pied assez grand. Hein. Bon, il va pousser d'une façon, s'il y a une seule saison pluvieuse, hein, ça va pousser durant la saison pluvieuse. Et ruderal, ça veut dire qu'on va le trouver surtout au niveau des détritus, là où les hommes habitent, dans les immondices, on va trouver. Ici, il a poussé dans un petit jardin, en fait, au milieu des feuilles mortes. Il y en a plusieurs, en fait, dans la zone. Hein. Mais nous avons choisi ce pied. Et on voit un autre pied qui est derrière, là. Alors, quand le pied devient un peu âgé, c'est vrai qu'il se recouvre d'une espèce de petite écorce couleur marron, n'est-ce pas? Mais c'est essentiellement, la partie supérieure reste essentiellement dans la tige, quand même, de couleur verte. Alors, donc cette plante, eh bien, les feuilles sont situées surtout sur des branches, quoi, en fait. Là, on a une branche, on a une branche, on a une branche. Donc, on ne va pas parler de feuilles ordinaires en tant que telles. Hein, ce sont des feuilles qui ressemblent à des feuilles composées, on va dire. Mais si on prend cette branche, ce n'est pas vraiment un rachis ici. Hein. On va dire que c'est un rameau. Et là, ce qu'on peut voir, si on considère cet élément comme la feuille, on pourrait parler de feuilles composées, là, avec des foliolules, hein, même si dans la littérature, eh bien, on n'avance pas vraiment des feuilles composées d'une manière franche. Hein, là, mais là, si on regarde, ces éléments de feuilles sont disposés de manière alterne. Là, on voit un, on voit deux ici, là, là. Donc, c'est vraiment alterné. Si on considère que c'est des feuilles composées, eh bien, on va dire que c'est paripenné, parce que c'est terminé par deux petites foliolules, hein, deux foliolules, et la longueur de ce qui est le rachis va atteindre sur une feuille pleinement développée, disons 4 cm demi. Si je prends celle-là, ça va être plus même, hein, ça va jusqu'à 7 cm. Hein, et donc... là, à la base, on peut considérer que cette partie est le pétiole. C'est de l'ordre de combien? 5 mm. Quand on prend les foliolules, les foliolules sont sessiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'éléments qui les séparent, la partie papier, leur partie papier, du rachis qui passe au milieu. Et on voit les foliolules sont de dimension quoi, 2 mm de largeur sur une longueur de l'ordre de 4 mm. Et de forme, disons, de forme, on va dire, ovale, hein, de forme ovale, avec des couleurs vert foncé à la face supérieure, un peu vert clair au dos. Et les nervures sont très peu visibles, hein, c'est surtout la face supérieure, elles sont vraiment évanescentes, et tandis qu'au dos, on les distingue à peine. Hein, voilà. Alors, ce qui est aussi remarquable, hein, c'est que cette plante, au fur et à mesure qu'elle se développe, elle va porter au dos de cette espèce de rachis, donc, de la feuille, des petites bulles, d'espèces de nodules, en fait, à l'extrémité
Du raquis, là, on voit, c'est plus ou moins poudreux même. Hein, c'est tellement petit, mais en fait, c'est des fleurs là-bas qui sont d'un jaune, jaune verdâtre. Hein, et après, ça se développe, et ça donne ces espèces de nodules qui sont en fait des fruits de dimensions très petites, de l'ordre de 1 mm. Hein, il y en a beaucoup. Donc, au dos de la feuille, on peut en compter combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, on peut en compter une vingtaine, hein, sur les feuilles pleinement développées. Et c'est assez remarquable d'ailleurs, hein, cette espèce de boule, de petite boule qui s'attache régulièrement comme ça au dos de la feuille. Alors, ce qui a inspiré certains noms locaux d'ailleurs, hein, par exemple, en Morée, chez les Mossi du Burkina, ils l'appelleront Wompore. Alors, la plante qui porte, si vous voulez, son bébé au dos, quoi. Alors, Wompore. Bon, donc, ça, c'est une petite plante qui est aussi très appréciée et qu'il vaut mieux reconnaître dans notre environnement. Et disons, on peut donner la longueur maintenant de la branche, hein, qui porte ces feuilles composées. Hein, si on prend là. Là, c'est jusqu'à 15 cm de long pour cette branche. Et les dimensions sont très petites aussi. La largeur revient jusqu'à 2 mm ici. Mais sur la tige principale, c'est de l'ordre de, on va dire, jusqu'à 4 000, 4 000, 5 000 mm. Et donc, la plante a des noms, bien sûr, dans les langues locales que nous allons donner tout à l'heure. Ses applications. En termes de phytothérapie, sont également nombreuses et semble-t-il très orientées sur les maladies du cœur. Bon, on va lister tout ça à la fin. Et ce qui est important ici, et que nous défendons toujours, c'est que nous puissions apprendre à reconnaître ces plantes dans notre environnement et contribuer à leur multiplication, à leur conservation dans nos jardins. Ça peut être par exemple ça dans une cour, hein, dans nos jardins, à l'intérieur de la cour, qu'on reconnaisse bien l'utilité de la plante. Et qu'on puisse participer à la préservation de ces plantes dans notre biodiversité. Maintenant, en ce qui concerne les noms locaux, nous allons donner quelques-uns. Nous n'avons pas trouvé beaucoup non plus, mais ça ne veut pas dire que la plante n'est pas utile. En fait, nous avons même tendance à croire que moins il y en a, plus la plante est utile. Alors, cette plante est classée dans la famille des Euphorbiacées, bien sûr. Nous avons donné d'autres plantes dans cette famille, hein, par exemple Euphorbia hirta. Et donc, en ce qui concerne les noms dans les langues locales, hein, disons Philanthus amarus est appelé, par exemple, disons en gros, hein, par les Malinké, hein, que l'on trouve un peu partout en Afrique occidentale, Kodré. Kodré. Et en Yoruba, on va dire Abrisohu, Aribisohu, en Yoruba. Maintenant, quand on part du côté du Bénin, en Bariba, ils vont dire Sobaru. Et en névé, ils vont dire Klemwe, Klemwe. Et en fon, ils vont dire Klemwe aussi. En mina, c'est la même chose, Klemwe. Et tandis que en Côte d'Ivoire, les Agni vont l'appeler Bomagwakene, Bomagwakene. En natier, ils vont dire Mpegwe, Mpegwe. Et en baoulé, Soumagessi, Soumagessi. Maintenant, au Sénégal, les peules tout couleur vont l'appeler lebel. Lebel. Tandis qu'au Togo, en Nadja, ils vont l'appeler Awasiafé. Et en Névé, là-bas aussi, Eyivi. Eyilivi. Eyilivi. En Mina, ils vont dire Ayilivi. Ayilivi. Ça, c'est juste quelques noms que nous avons glanés dans la documentation pour cette plante. Hein. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Il est important de la reconnaître dans notre environnement et de participer à sa multiplication.